Hey, salut à tous les Yugistes, ici le Tac et on se retrouve aujourd'hui pour un opening absolument incroyable de la version Shadow of Infinity. C'est de 2006, si je dis pas de bêtises. Oui, exactement. Gracieusement offert par Hawkmoor que vous avez déjà vu dans la vidéo sur CDF. Je vous la mets juste là sur le petit si jamais vous l'avez pas encore vu. On va s'ouvrir cette pépite, clairement, je pense que tout le monde est d'accord pour le dire. Exactement. C'est un truc de malade. Exactement. On va s'ouvrir toutes ces éditions, on se fait tous ensemble et je vous laisse regarder ça tout de suite. Alors, voyons ce qu'il y a dedans. Attends, faut quand même le faire comme ça. Regarde. Faut regarder le petit. Oh là là. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 10. 10 éditions spé. Absolument magnifiques. Elles sont belles. Hein. Regardez cette merveille. L'ombre de l'infini en anglais. Elles sont vraiment, avec vraiment le super braviel en carte phare. C'est pas dans celui-là qu'il y a eu rien. On espère évidemment toper les ultimates qui sont là-dedans parce que déjà elles cotent toutes une fortune. Elles sont toutes incroyables. Let's go, déballons la première. Je te laisse faire la première. On va essayer d'en garder une ou deux. Ouais. En fait, ça fait 10, on est 5, ça fait 2 chacun. Bah oui, magnifique. Voilà. Tiens, je te laisse la deuxième première. J'offre les deux premières. Hop, vas-y. Je démarre les deux premières deux toi, étant donné je suis acheteur. Deux pour toi, et je vais me garder les deux dernières. Et en plus ça brille, oh, c'est beau. Et en plus ça brille, c'est vraiment un truc... Déjà le produit en lui-même, il est incroyablement beau. Je vais vous montrer ça plus en détail. Il est incroyablement beau. Et ça nous rajeunit pas quand même. Et ça nous rajeunit pas du tout. Ouais. Attention, regardez bien le scellement. Je pense que j'avais... Alors là, j'avais moins tout ça. Hein. Regardez bien le scellement. Voici la première carte variante sur les 4 secrètes. Il s'agit du trap acide. Ouais, c'est ça. Une très ancienne trappe qui permet de détruire les monstres en position de défense. C'est encore pratique. Hein. C'est encore pratique, ouais. Bah, je sais pas si on peut le coupler avec la. Avec. La trappe qui. Trap trick. Foodgate. Donc, la voici déballée. Ouais, vous voyez qu'elle est en secrète. Il en existe 4 dans cette extension. Donc là, on avait déjà qu'une seule promo, contrairement à deux aujourd'hui. Et là, il y avait 4 variantes, contrairement à. Bon, c'est toujours 4 maintenant, mais c'est toujours deux fois les mêmes combinaisons. On va se relayer chacun notre tour. Vas-y, je t'en prie. J'ouvre la première. Incroyable. Bon, si tu craques une ultimate, bah on hurle et puis on déjà on va être tous comme des fous. Là moi j'essaie de l'ouvrir le plus proprement possible. Pareil. Je compte en garder une pour le décor évidemment. Ça, c'est assez propre pour toi. Voilà. Alors ici. Tu peux me garder. On regarde. Voilà. Alors je vais regarder si on voit bien. Il faut essayer de mettre juste un peu plus par là. Là t'es impeccable. Voilà. Ouf. Dommage crusher. C'est quoi dommage crusher, c'est ça? Concentrateur de dommages. Voilà, c'est ça. En anglais, je connais pas encore tout, ça c'est un peu trop vieux pour moi. Voilà la première. Donc c'est des boosters de 9 cartes, si je dis pas de bêtises. Booster de 9 cartes, il y a 64 cartes dans l'extension, et il existe une dizaine d'ulti dans l'extension. Voilà, et il y en a évidemment 3 qui nous intéressent. 10 ulti dans celle-là, putain, 10 ulti, ouais. Comment ça a fondu au soleil avec les autres extensions. Et là on a quand même Uria, Amon et Raviel, sur toutes les 3 celles qu'on cherche, bien entendu. Et on va craquer les 3. On va craquer les 3, bien sûr, on y croit à mort. Alors. Magnet Circle, level 2. Disciple... Voilà, c'est là où on voit déjà, rien qu'à la couleur des cartes, on se rend compte d'à quel point c'est. Hein. Voilà, ça vieillit. Tribound Frog, la grenouille d'arbre en français. C'est ça. Renette, pour ceux qui le connaissent le plus souvent. Grenouille d'arbre, non mais vraiment. Bah, ils ont aussi renommé le frère de Harpie en tant que chevalier du ciel. Hein, ouais, guerrier c'est du ciel, truc comme ça. Alors que frère de Harpie, c'était tellement. Toujours mieux, plus. Bah, c'est comme là le Shooting Riser Dragon, ils ont appelé ça Dragon Monteur Filant. Pardon, c'est dégueulasse. Ouais. Je vais l'acheter en anglais. Ouais, je pense qu'on est tous d'accord. Moi, je la cherche pour le synchronique. Ensuite, troisième booster pour ma partie. Ancienne gear. Très vieille carte, ancienne gear. Hop. Malfonction. Ouais, c'est ça, c'est ancienne gear. Mais c'est les vieilles, c'est plus joué maintenant. Là, ce qu'on cherche vraiment, c'est les ultimates. Voilà pour la première partie. Pour moi, j'ai déjà tout de suite fait la mienne. Vas-y. J'ai tout de suite profité pour enlever le scotch parce que sinon après on allait galérer pendant 30 minutes en vidéo et ça aurait été tellement chiant. Moi c'est déjà prêt. T'es déjà prêt ou parfait? Moi aussi. Nickel. De toute façon, ils ont bien tous vu que c'était totalement scellé au moment de l'ouvrir. Ouais. Tempête d'Etaka. Ah, une seconde. Je pense la troisième c'est contrôle. La troisième c'est le contrôle hypnotique. Bon, ouais, ça on le verra après. Alors, après pour la description, on peut le dire. Ouais. Pour résumer, les 4 cartes variantes sont la trappe à acide, la tempête d'Etaka, le contrôle hypnotique et Ryoku. C'est ça. Toutes les 4 sont classées secrètes au niveau de la rareté. C'est des ultras, non? Des ultras ou des secrètes? Non, c'est des ultras, c'est vraiment des ultras. C'est des ultras et elles sont considérées comme des secrètes. C'est là où on voit qu'elles sont anciennes, mais voilà, la rareté est super belle. T'as vu la couleur?
Alors, après, il y a aussi le fait que ce soit des anglaises. On dirait que ça sera des ultras. Alors, voici. Ouais, ça a bien vieilli. Ouais, ouais, impeccable. Les plastiques sont marrons. Attention. Et Triborn Frog, encore une fois. Là, d'ailleurs, on peut se rendre compte que c'est ancien, encore une fois, parce qu'on a une rare, mais on n'est pas sûr d'avoir reçu. Aujourd'hui, voilà. On a toujours une rare et au moins une super. Maintenant, c'est plus le cas du tout. Bah, c'est les anciens formats. Hein. Voilà, c'est ça. Et les anciens formats, la probabilité du piment, parce que. C'est ça, la chanson, t'avais pas de chance. C'est vrai, c'était la chance, pas de chance, quoi. Bah, encore aujourd'hui, hein, quand tu tapes une super, t'es bon, ok. Ouais, ouais, parce que les supers sont moins. Enfin, tombent sur des cartes, en fait, ils sont pas si. Doom Dozer. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, vous ne me sautez pas dessus si j'ouvre Ultimate. Hein. Je te garantis pas. Je pense que si tu chopes Ultimate, on va faire pas mal sur cette vidéo. Je vais me barrer loin, genre en Tchétchénie, quelque part. Ouais, tu la revends. Hein. Et je la revends, bien sûr. Et hein. Le dernier paquet pour ma partie. Vas-y, ça brille. Je suis sûr que ça brille. Allez, on y croit. On y croit. Fantôme Martyr. Ok. Bon, premier paquet. Mais quoi, du coup, en rareté? J'ai eu des rares. Et de grenouille, ouais. J'ai eu rare. Je pense que t'as eu une super, il me semble. Le premier booster, c'était pas une super? Non, c'était une rare. C'était une rare aussi? S'il y a une super. Dommage. Ah, si, oui, voilà. Le concentrateur des dommages. Concentrateur des dommages. Une super telle que le concentrateur des dommages. À ton tour, je t'en prie. Et c'est au tour de Taz de dé bleu. C'est ça. Tempête de mon côté. On a une tempête. Voilà. En promo. Du coup, bah là t'es nickel. Si tu tempête des TK en promo. Encore une fois, là c'est un peu la merde pour filmer parce que c'est un peu à l'envers. Mais on va se débrouiller. Voilà, navré pour la qualité. Oh, je l'ai déchiré, non, je rigole. Oh, c'est rien, c'est plus rien. C'est un opening de toute façon. Imagine, le mec qui fait tomber Ria et la déchire. Bah, je me sauve moi en Tchétchénie si je fais ça. Il y en a un qui va te courir après. Hein. Là, j'ai attends, parce qu'il y a des boosters Yugi. Moi je suis plus habitué au booster Dragon Ball. Vous m'excuserez. Ah, c'est comme ça, c'est vrai. Quelle mauvaise pub. T'as vu ça? Mais non, c'est scandaleux. Un très très bon jeu de cartes. Je suis en train de pourrir la chaîne de Lotek. Tu sais, t'étais déjà sur la miniature, mon grand. Alors, quel salaud. Allez, fais voir ici. Attends, là, c'est bon, t'y es. C'est bon, je suis dedans. Ouais. Vas-y, fais voir tes mains. Dedans, vas-y, j'ai dévoile bien. Ouais. Oui. C'était une ours à l'as. Oui. Le Cyber Proto. Ah, ça me dit quelque chose, les Cyber Dragons, tiens. Ah, monsieur Cyber n'étant pas là. Sachant que maintenant on a le meilleur Cyber Dragon de France dans notre assaut, et il faut le dire, il faut le crier haut et fort, Bangarat, meilleur Cyber Dragon de France. Il faut le dire, il faut le dire. Il faut le dire pour un fort. La grande allemande qu'on appelle, comme ça. Faut le dire aussi. La grande allemande. On l'aime tous, on l'aime tous, mais la grande allemande, on a plaisir. Deuxième booster de cette première édition spéciale. C'est tellement des vieux boosters, j'ai peur d'arracher le paquet. Pareil. T'as dit que je vais en garder un pour la soleil, encore une fois. Ouais, c'est vraiment bien. Allez, deuxième booster. Ah, alors là. Encore du Rouage Ancien. Ah, bah dites donc. Façon, tu vois ah, bah dis donc, Rouage Ancien. Hero Kid, c'est revenu. Hein. Boomerang Cyclonique, c'est le boomerang de cœur farouche. Ouais, ça se voit quand même par rapport aux archétypes, quand même, que c'est. Ça me sert à ce qui permet de renvoyer les matériels rituels au deck. Ce que je trouve aussi le plus dingue, c'est avec la rareté rien que l'ultra. C'est ça se voit de ouf, c'est une très ancienne, tu vois. Oui. Dernier booster du premier pack. Enfin, de mon premier pack. Hein. Parce qu'il reste énormément de packs, évidemment. Je prépare la deuxième. Bah, 2, 4, 6, 7 avec celui-ci. Si, ça fait quand même pas mal de packs. Hein. Déjà, très peu de monde puisse ouvrir ce genre de pack déjà. C'est pour ça que j'aurais privilégié que 5. Pardon, moi. Hop, Princesse Couronne. Et oui, à l'époque, et c'était Princesse Couronne, Princesse Piquero. C'était le deck de l'époque avec les elfes. C'est vrai. Et aujourd'hui, ça sert plus à rien. C'est que de la collecte. Bon, les communes poubelles, c'est ça, hein. Non, c'est fou. Je remonte les trois rares que j'ai craqué sur le premier. Moi, oui. Voilà, c'est joli. Tu lui fais une vente et comme ça, je prends un pourcentage. T'inquiète. Allez, deuxième. Qu'est-ce qu'on n'a rien entendu pendant la vidéo? On n'a rien entendu du tout. On n'a rien entendu parce que c'est vacuette. Ce plastique qui date de Mathusalem. Bon, deuxième promo, c'est une deuxième tempête. Le plastique, il a vieilli, hein, ça se voit, il a brûlé. Un peu comme toi, Arnaud. Hein. Ça clash. Ah, c'est, je prends un mot. Non, si peu. L'émotion, si tu l'auras, une fois qu'on aura ouvert une rien. Obligé, on ouvre au moins une ulti. Eh oui, messieurs, dames, on aura peut-être craqué une ulti. Donc, tu gardes les pochettes de booster complètement explosées, c'est ça, hein. Non, juste les... Parce que là, j'en ai une belle. Hein. Ah, attention. C'est parce que je prépare un nouveau truc pour mon décor, qui est prêt depuis quelques temps. Allez. Attention. Non. Princesse Piquero. Dommage. Bah, alors, c'est la copine de l'autre. Hein. Alors, il faut se dire que dans l'extension Shadow of Infinity, la probabilité des ultis, elle est beaucoup plus stricte que les extensions actuelles. Sachant que, de toute façon, actuellement, déjà, les ultis, on a plus dans les ETS. Merci, Stéphane Bern. Non, mais ça, c'est très triste. Ça, c'est à cause de ceux qui faisaient les ultis.
Hein, en guérant, faut dire ça à tous ceux qui pesaient les boosters et qui, à cause d'eux, bah, on n'a plus de secret, enfin, on n'a plus d'ultimate ni de boss. Merci Konami pour les secrets. Damage, encore une fois, concentrateur de dommages. J'aime bien quand ça brille. Deuxième super. Et c'est là où on voit encore une fois, hein, les raretés, c'était pas trop ça. Ah bah c'est pas trop ça. Hein. Dernière information, faut pas oublier qu'il y a que 64 cartes dans cette extension. C'est pour ça que les probabilités sont réduites. Ouais, on va avoir beaucoup de doubles. Encore une fois, sur 10. 10 foutues éditions SP, j'espère quand même qu'on aura un peu plus de chance que. Espérons. Là, la dernière. Ça a plus une brillante là, je la vois. Je la sens. Non. Alors, oh là là. Tu l'as senti très mal. Tu m'as donné un pack de merde. Hein. Ah ouais. Autour de. J'espérais que ton nez assez allez. Voilà, je remonte ce que j'ai craqué sur les trois. Oui. Très bonne idée. Autour de l'OTAC. Non, on va laisser faire KLS. Et puis après, moi, je me prends avec les deux promos. En dernier. Comme ça, je pourrais en même temps conclure la vidéo. Du coup, ça va KLS, être c'est ton tour. Yes. Donc là, laissons la place à KLS pour qu'il puisse s'ouvrir. Vu ce qui est pratique, c'est pour pouvoir tous regarder par-dessus, il n'y aura pas de problème. Oui, malgré sa petite taille, merci les commentateurs. Oui, comme ça. Ça se voit pas, la petite taille avec mes mains. Précisez, les gars. Il participe à un montage. Oui. Donc Ryoku, d'ailleurs, c'est la première fois qu'on la chope cette fois-ci. Oui, c'est la quatrième des variantes. C'est ça. Allez, on y croit. Alors, Nana pour l'ulti. Moi, je le sens, la Nana pour l'ulti. Oui, on m'appelle aussi Nana. Je renifle. Alors, vous posez pas la question. Donc, j'arrive même pas. Oui, voilà. On se pose plus. Vous voyez mon manteau, bah, vous voyez le résultat. J'arrive même pas à les ouvrir. Hein. C'est tout de merde. Bah, disons. Non. Bah, bien, et là, l'ulti, Shrak. T'imagines. Tu veux que je l'ouvre? Mais mes mains glissent et ça ne s'ouvre vraiment pas. Il a aussi besoin des assistants pour. Il a raison. Voilà, j'ai raison. En vrai, il a raison. J'ai raison. Non, il a raison, c'est vraiment. Il est vraiment gluant celui-là, c'est pas pourquoi. Excuse-moi, mec. Je suis trop excité là d'un coup. S'il a du mal à s'ouvrir, c'est que sûrement il y a une grosse brise dedans. C'est ça. Vas-y, tu sais quoi, je vais te pré-ouvrir les deux. T'aurais dû prendre une balance. Merci. Bah. Alors. Sur ces éditions-là, on pourrait. C'est vrai, techniquement, sur celle-là, on pourrait. Attention. Mais non, on va pas faire la promotion de ce genre de choses. Non, c'est. Ouais, je vois ce que c'est pour les insectes. Il s'agit de. Option Hunter, apparemment, d'après ce que je vois. Option de chasse, ça. C'est une carte piège. Est-ce que tu as besoin d'un assistant, le tac? Ah, voilà. Eh ben, ils sont bien. Mesdames et messieurs, c'est ils sont bien. De Shadow of Infinity. Ah, regarde, celui-là, il est passé tout seul. C'est juste qu'il y en a deux, ils étaient trop collés. C'est pas ce qu'ils disent aussi. Je vous rends l'avance, comme ça, ça sera fait. Alors. T'as bien raison. Voyons. L'insecte tronçonneuse. Alors, ouais, très très cool quand même ça. Alors, donc. Encore celui-là. Mesdames c'est et très messieurs, très cool les decks insectes. Ouais. Crawler est super bien. Pour vous expliquer, on a découvert toutes les rares de chaque extension. Espérons obtenir les ultimates de celle-ci. Ce sont les mêmes, mais en version maximale. Hashtag Guria. De toute façon, on la veut. C'est tout ce qu'on a dit. On veut. On la craque pas. Hashtag on la veut. Princesse Piquerou, encore. Encore. Moi, ça fait un plaisir. Ils sont quelque part, ils sont. Oh, on peut même jouer à un défenseur, y'a pas de problème. Il y en a une là. Ah, ok, ça monte celle-là. Celle-là. D'accord, ça marche. J'ai eu peur. J'ai là, alors, le deuxième, pour ma part. Contrôle hypnotique. J'ai commencé quand même à le pré-order. Il est marrant, peut-être. Ça va faire. J'adore. Moi, j'aime bien. L'ancienne Ultra est très jolie. Ouais. Par contre, c'est intéressant. Bah, le fait qu'il soit ancienne, ça rajoute vraiment un truc, je trouve. Pour bah, puis, tu vois, les feuilles sont pas pareilles. Hein. Ouais, vraiment, clairement, ils sont regardez là, tout de suite, j'arrive à l'ouvrir, c'est bizarre. Ouais, tu vois, il y en avait juste deux qui étaient. Les françaises aussi ont un truc particulier par rapport aux françaises et européennes classiques. Elles sont plus sombres. D'accord, ouais, comme les US. Comme les, non, les US justement sont plus claires. Donc, oh Nana, une bonne main, Nana. KLS, il est là. Est-ce qu'on la voit? Non, on la voit plus. Voilà, nickel. Voici Amon Ultra. Ça reste bon. Ça reste très très joli. C'est pas l'ultime. On va la mettre bien ici pour que vous voyez bien. Bien joué, Nana. Merci. C'est pas mal, c'est propre. Très très propre. Je la sentais. Elle est belle, elle est vraiment vraiment belle. Elle est vraiment belle. Vraiment belle. Elle est super belle. Elle nécessite sa protège-carte. C'est un autre monde quand même. Mais j'espère vraiment qu'on va choper un truc de fou parce que pour avoir ouvert un truc pareil, il faut qu'on trouve une ultime. Assistant, le tac. Les boosters sont quand même. J'adore le que. Non, ouais, ils sont clairement plus résistants. Hein. Alors, surtout, c'est parce qu'en fait, j'arrive pas du tout avec ma ils sont moites donc ils arrivent plus que moi. Surtout, ouais, c'est encore. Une très belle relique à l'ancienne. Non, mais c'est vraiment un truc de fou par contre. Comment ils ont été scellés. Attends, par contre, je vais faire ça. Tiens. Hop. Moi, de toute façon, je suis déjà en train de pré-ouvrir les miens pour après parce que sinon, on avait 40 ans. Celle-là, on va la laisser ici, bien en évidence. Logistique. Ouais, Amon. Voilà.
Alors espérons craquer une ulti. Pour l'instant du coup tu es celui qui a le plus de chance. Oui. En espérant que je continue. Ulti, et puis on en parle plus. Amon ulti, voilà, c'est parfait. Et alors voilà. Et bien que les ultras sont vraiment vraiment cool. Oh ouais, oui, et j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance. Moi ça me va. Parfait. Mais sans je porte mais... bonheur. Alors ce n'est pas des ultis, mais elles sont quand même assez cotées. Elles sont alors, petites, elles sont belles. On dit vraiment. Du coup, depuis tout à l'heure, on rigole, dire que je suis petit, mais pour l'instant, c'est le plus petit qui ouvre des bons trucs. Hein. Alors, voilà. Petit, je vais te surnommer Skip, petit et puissant. Ouais. C'est ça, là, et puissant, ouais. Les gars. Ah là, j'avoue, là, ça, c'est une ouverture de pack. Eh, hey, j'en ai encore un. Et là, ça sera Uria. Là, il craque Uria. Bah ouais. Si j'ai rien, je pense que Benoît va m'inviter au McDo. Parce que, comme vous voyez, hein. Il aime ça. Je suis petit et j'aime bien le McDo. Ou tu vends ma casquette. Tu vends ta casquette. Ouais, non, Barlou, on ne vend pas, lui. Hein. Cette gag s'en représente, hein. Placement produit. On représente aussi l'association R-Contest. Ouais. À pouce pour ceux qui aiment. Ça, tu sais que ça se raquette, hein. Non, franchement, non, il a raison. Avec ce qu'il drop, on peut pas lui enlever ça, tu vois. Merci. Au contraire, je vais avoir un assistant. Pour les excuse-moi le tac, mais y'a que toi qui arrive à ouvrir, là. Hop, je commence à prendre le truc avec ces conneries. Ah voilà, regarde, tout de suite. Ah, on peut surtout garder un sachet. T'aimes bien ouvrir des vieux trucs, toi. Ah, moi j'adore ça, si tu savais. Attention. Là. C'est tellement okay. Dégueulasse. Ah. Ok. Allez, on y croit. Ah, dommage. Mais j'ai eu de la chance. Quand même, messieurs, dames, il n'y avait pas à 3 à la suite, mais c'est pas grave. C'est quand même pas dégueulasse. Grosse ouverture. Du coup, mes grosses ouvertures, quand même, ils sont belles, ils sont magnifiques. Il a fait ses fois, ouais. Donc voilà. Je vais te laisser... La c'était, place c'était KLS alias Nana. Maintenant, autour de KO. Je vais y aller. Allez. On reprend. AKO. Autour de KO. Comme on disait. Alors, donc, Ryoku. Et Ryoku. L'absorbeur de. Sache qu'en fait, tout ce qu'il y a ici, on le voit de manière impeccable. D'accord. Donc, je retiens ici. On va déplacer ça gentiment. Ouais. Mais c'est quand même. Il a de la chance, Nana, là, dis donc. Eh oui. Nana qui nous a quitté hein, pendant cette vidéo, il faut le savoir. Oui. Il n'est pas juste caché derrière lui. Oui, il n'est pas caché alors... derrière le. Ouais. Là, c'est beau. Hein. Alors, c'est voyons. Très beau, hein. Oui. Attention. Et il a un copeau de cartes sur le. Ah, des zips explosifs. Ouais. Un copeau de cartes. Encore une rare. Ouais. Un copeau de vieille carte qui était collé sur Ramon. Encore une fois, une rare qu'on n'avait pas encore eu d'ailleurs. Pour l'instant. On les aura bientôt tous dévoilés. Oui, je pense que oui. Hein. Bon, si on n'a pas les trois, c'est pas normal. Hein. Voilà, tout est prêt ouvert pour moi. Prochaine ulti. Oh, ça sent bon. Allez. Elle sent bon celle-là. Allez. J'en ai une. Non. T'en es pas une. Non. On l'aurait vu un peu avant, je pense. Encore une princesse. J'espère que t'aimes les princesses parce que là, t'en as chopé. Hein. Il va se faire un deck princesse. On va l'appeler princesse maintenant. Oui. Bonjour, je suis en robe. Ah, y'a pas de nom. J'ai hâte de te voir en robe. La. Prochain CDF en robe, moi je dis. Bon bah l'année prochaine il a le temps de se préparer. Hein. Ah ouais, carrément. Il prépare une belle robe. Hein. Ah ouais. Hein. Pouce bleu pour qu'il mette une. Oh concentrateur de dommages en ulti. Bon, ça vaut pas cher, mais c'est très. Ouais, mais c'est vraiment très. Elle est géniale. Première ulti de l'extension. Bien joué, KO. Bon, on aura quand même une. C'est cool. Mais c'est pas celle qu'on souhaite. Oh là là. Du coup, je disais, lâchez un commentaire si vous voulez voir Benoît en robe au prochain CDF. Il n'aura pas le choix si vous lui demandez tous. Alors, par contre, ça doit dépasser les 3000 vues. Hein. Oh, largement, au moins, on va dire ça. Très bonne idée. Et là, 3001 vues. Oh Benoît en PLS, tu sais, non. Alors. Ah, je serais obligé de jouer Valkyrie. Sinon et à 6000 vues, c'est lui qui choisit la robe. Alors, un deuxième Ryokoku pour le deuxième booster. T'imagines si tu dois finir en robe, mec? Je vais jouer Valkyrie. Après, la même robe qu'une des princesses sur les cartes. Hein. Bah, bien sûr. Ah, bah oui, évidemment. Un véritable cosplay de Piqueron. Alors? Ça n'a pas l'air d'être ulti. Non, Doomdozer. Bon. Après, il y a quand même eu Amon et Raviel pour l'instant en ultra. Une petite ulti. C'est vraiment, vraiment belle d'ailleurs. Ouais. Elle, je suis en train de bronzer là. Elle est vraiment belle. Le concentrateur de dommages. Avec la rareté et tout, elle est incroyablement belle. Ouais. Très génial. Et insecte tronçonneuse. Ah. On peut pas avoir de la chance à chaque booster. Non, on peut pas avoir. De toute façon, c'est le problème avec les vieux boosters. Tout ouvert, c'est que vraiment avoir énormément de chance. J'ai tout ouvert. Attention. J'ai tout ouvert, c'est le dernier attention. Pour moi. Oui, et il ne restera plus que l'otac. Le broyeur de mémoire. Encore une fois, une rare qu'on n'avait pas encore développé. Ouais, c'est très. Bah encore une fois, c'est 2006 hein, si je dis pas de bêtises pour SOI. Et il reste plus mais... que l'otac. Avec ma chance légendaire que tout le monde connaît, hein, vous savez. Active.
clairement, j'ai vraiment aucune chance dans mes openings à moi. Ouais, alors j'espère en avoir un peu plus pour toi. On prend un petit peu de chance. Allez. Allez. On y croit à mort. Bon, du coup, pour les promos, je vous les montre tout de suite toutes les deux. Doucement. Acid Trapple et Windstorm est à quoi? Donc, trappe d'acide et, Tempête est à quoi en français? Etaka, tu crois? Merci pour la correction. Super Junior. On va y aller, on va faire un peu durer le suspense. Ancienne Gear Factory. Guide D3S Frog, attention. Oui, la reine de l'oubli. En super. La première version de la. Elle est vraiment parce belle. Que la nouvelle est. Oh, la reine de l'oubli. Magnifique. Oui, c'est la toute première avant la nouvelle reine de l'Armageddon. Attends, j'ai vraiment du mal en allant vers. Okay. Vraiment belle. Et là, pour le reste, les communes. Ouais, c'est ça. Ouais, elle est ressortie en Cybernetic Horizon. Et elle est vraiment belle en super comme elle ça est en pas anglaise. C'est une nouvelle. C'est, nouvelle qui c'est vraiment pas moche. Sa maîtresse est dans la sortie Cybernetic Horizon. Puisqu'ils ont aussi sorti. Deuxième Armageddon. Magnet Circle, ancienne Gear, Super Junior. Attention. Ouais. Est une rare. C'est Gobelin gestionnaire avisé. Non, ouais. Gobelin sous pression. C'est Gobelin sous pression. C'est Gobelin quelque chose. Gobelin encore, sous pression. Encore un Gobelin, quoi. Voilà, encore des Gobelins. Il y a des Gobelins dans tout jeu de cartes. Tout il bien, s'agit du Gobelin sous pression, celui-là. Un peu comme moi. Plus que 4 packs. Attention. Et pour l'instant, une seule ulti, vous vous rendez compte ou pas, là? La tristesse. Attention. Attention. C'est un dragon barrière. Encore une fois, à chaque fois qu'on chope une super, c'est incroyablement beau dans cette extension. C'est un truc de fou. Commune. C'est marrant la manière dont elles ont vieilli les foils. Ouais, c'est vraiment un truc de fou. On voit vraiment, je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais en tout cas en version réelle, on voit vraiment la différence avec les super. J'ai l'impression que le bord, même quand elles sont en super, brille aussi en fait tellement. Ouais, c'est voilà. Non, ils brillent. Les super à l'époque, ils ont fait le bord qui brillait. Ouais, oh, c'est beau. Hein. Alors ici, les derniers boosters. C'est la quatrième, si je dis pas de bêtises. Non, ouais, c'est la cinquième. Ouh! Excellion Dragon Divin. Il existe aussi en ulti. Je la connaissais pas du tout, elle est vraiment trop belle. C'est une carte de mémoire. Après, c'est un dragon, comment un dragon? C'est un dragon dont forcément il y a ma collègue, hein, évidemment. Merci, le dragon, c'est la classe. C'est vraiment, vraiment très stylé. Et puis, elle est vraiment belle, celle-là. Je l'ai en ulti. Oh là là. Tu l'as en ulti? Je l'ai en ulti dans ma collègue. Excuse-nous. Excuse-nous. Pardonnez-nous, monsieur. Ah oui, je l'avais. Quand j'ai fait ma collègue dragon, j'ai acheté quand même pas mal, quoi. J'ai acheté quasiment tous les dragons qui existent. C'est ce monsieur-là qui m'a prêté mes Chaos Blue. Attention! Demise, le roi de l'Armageddon. Pour avoir la seconde, t'es en US encore une fois. Elle rend encore plus belle en US. En US parce qu'elle est plus dark et Demise en version dark, bah c'est trop fou. Commune. Joli, hein, et maintenant le dernier, le dernier, Hesperocrasier. The last one, Uria. Tu es déjà à mon dernier? Bah oui, il y en a que 6. On a craqué deux SP packs chacun. Calmaté. Oui. Ouais, non mais j'avais pas vu les 6 passer. Attention, doucement. Suspense. Ah voilà, bien glissé. Suspense, ouais, vas-y. Là, c'est une vieille piquerou, encore une fois. Ah bah ça. Attention, c'est la prochaine. Attention. C'est dommage, mais encore une fois, on a eu une ulti, on a eu deux ultras magnifiques, des supers qui sont vraiment vraiment belles. Beaucoup plus belles que maintenant. Ouais, l'ensemble est plutôt pas mal, donc nous l'ensemble avons pu obtenir Raviel et Amon. Pas trop déçu de ton ouverture de pack? Pas du tout. Ça va aller? Bon, super alors. On va montrer quand même à peu près toutes les belles cartes qu'on a chopées. Évidemment, ces deux-là, il n'y a pas à dire. Demise, évidemment. Bah forcément. Et bien sûr, l'ulti qui est juste ici. Hop. Et voilà. Bon, bah on va pouvoir finir là-dessus, je pense, les gars. Ça reste propre, je pense qu'on est tous d'accord. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous lâchez le petit pouce bleu de l'amour, vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles ouvertures, pour de nouveaux duels et tout ce qui va avec. Je vous dis salut à tous, bon jeu. Salut.